Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous sommes samedi 31 octobre et c'est rare que je fasse des tutos le samedi, mais là j'avais envie. Donc voilà, je vous ai préparé des petites appliques pour la chambre des enfants ou autre, peu importe ce que vous voulez en faire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des petits hiboux avec les ailes, les petites houppettes, les yeux, le bec. Alors, très facile à faire, je vais vous montrer, ça va très très vite. Je vous montre l'arrière aussi. Donc là, j'ai fait un cercle supplémentaire que je suis venue coller pour cacher mes fils. Et là, je n'en ai pas fait du tout. Donc voilà, c'est pour vous montrer à peu près la différence. Donc vous allez avoir besoin d'un crochet. J'ai crocheté avec un numéro 4, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et de différents coloris. Pour les yeux, du blanc et un peu de noir pour broder. Pour le bec, un peu de couleur mandarine orange. Et après, le reste, c'est vous qui décidez des couleurs que vous voulez utiliser. Donc, moi, je vais utiliser ces deux couleurs-là, principales. Donc, je vais faire tout le corps de cette couleur et les ailes de cette couleur-là. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par faire un cercle magique que l'on fixe avec une maille. On rajoute deux mailles, l'équivalent avec la première de notre première bride. On a trois mailles en l'air. Dans ce cercle, on va venir faire 11 brides supplémentaires. Donc au total, on en aura 12 avec les trois mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5. Vous faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez au total, y compris avec les trois mailles en l'air, 12 brides. Et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 12 brides au total. J'inclus les trois mailles en l'air, hein. Sinon j'ai fait 11 brides. On resserre légèrement le fil et on va venir unir sur la troisième maille en l'air avec une maille coulée. Pour le tour numéro 2, trois mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. On va faire une augmentation, c'est-à-dire deux brides sur la même maille, sur chaque maille. Donc une augmentation, c'est parti. Première bride, deuxième bride, c'est égal à une augmentation. Sur chaque maille, vous allez faire une augmentation. Donc à la fin, vous allez vous retrouver avec 24 brides. Donc faites vos augmentations, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai complètement fini mon tour d'augmentation. J'ai 24 brides, j'unis sur la troisième maille en l'air du départ. Le tour numéro 3, eh ben, il va être exactement le même, donc 3 mailles en l'air, plus une bride. Il va être, je disais, exactement le même que le tour numéro 2. Vous allez doubler toutes vos brides. Donc une augmentation sur chaque maille, c'est-à-dire deux brides sur chaque maille. Au total, on va se retrouver avec 48 brides. Donc on fait un tour uniquement d'augmentation sur chaque maille et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon tour d'augmentation. J'unis sur la troisième maille en l'air une maille coulée. Je coupe le fil, je laisse une petite longueur pour pouvoir venir le cacher après. Et une maille en l'air supplémentaire. On a terminé avec cette couleur-là. Maintenant, on va commencer avec la deuxième couleur parce qu'on va devoir faire les ailes de chaque côté. Donc, ah oui, je voulais vous préciser. Alors, le diamètre, il mesure à peu près, je ne vous dis pas de bêtises, en largeur à peu près 9 cm. Sans les ailes. On va le remesurer après une fois qu'on aura fait les ailes. Après, vous pouvez prendre un crochet plus petit, hein. Vous n'êtes pas obligé de crocheter en 4. Moi, c'est parce que j'ai voulu que ça soit assez gros. Donc voilà, je prends ma nouvelle couleur que j'insère dans mon crochet. À partir de là où nous nous sommes arrêtés, ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Sur la dixième, vous allez entrer sur celle-ci. Donc, j'aurais pas dû
insérer mon fil sur la dixième. Voilà, je suis rentrée dans la dixième, j'attrape mon fil. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Là, vous faites 4 mailles en l'air. La maille d'à côté, deux jetés sur votre crochet, une double bride. Les deux mailles suivantes, une bride d'affilée sur chaque maille, une, et la maille d'à côté, une bride. La maille suivante, une demi-bride. Profitez-en pour cacher le petit morceau de fil de la deuxième couleur. Et les deux mailles suivantes, une maille serrée chacune. Une et la deuxième. Coupez votre fil, laissez une petite longueur pour le cacher. Maille en l'air supplémentaire que l'on viendra cacher. Donc, nous avons fait la première aile. Pour la deuxième, on va compter différemment, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit symétrique. Alors, je reprends ma deuxième couleur. Toujours à partir du nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sur, et mince, j'ai perdu mon repère, sur la 17e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous comptez 17. Vous vous insérez avec votre crochet et votre couleur. Une maille en l'air pour fixer le tout. Et là, on va faire, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par les mailles serrées. Donc, une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Ensuite, on avait fait une demi-bride. Donc là, on fait une demi-bride. Ensuite, nous avions fait deux brides à la suite. La première. La deuxième. Ensuite, nous avions fait une double bride. Donc, on fait notre double bride. Et on avait fait quatre mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient faire une maille coulée exactement sur la maille suivante pour avoir notre symétrie parfaite au niveau des ailes. Vous coupez le fil, on n'en a plus besoin. Une maille en l'air supplémentaire et c'est réglé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les yeux, les deux yeux, les brodés, le bec et ensuite les petites houppettes que nous avons ici. Alors, pour les yeux, j'en ai déjà préparé un. Vous voyez? Que je vais venir mettre ici. Je vais vous montrer comment on fait les yeux. Vous gardez le même crochet. Ou alors, vous pouvez prendre un crochet plus petit. C'est vous qui voyez. Un cercle magique. Dans lequel on fixe avec une maille. Dans ce cercle, on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Vous tirez sur votre fil. Vous unissez à la première maille serrée que vous avez faite par une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, deux mailles serrées. On va doubler toutes les mailles. C'est-à-dire, on va faire des augmentations sur chaque maille. Et au final, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Donc, sur chaque maille, vous faites 2 mailles serrées jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai terminé toutes mes augmentations. Je viens unir à la première maille serrée en faisant une maille coulée. Maille en l'air. Et maintenant, on va alterner une maille serrée, la maille suivante, une augmentation. Ça sera le dernier tour. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Et au final, on va se retrouver avec 18 mailles serrées.
une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout mon tour de la même façon. J'unis avec une maille coulée. J'ai terminé avec une augmentation parce que j'ai commencé avec une maille serrée. Vous coupez votre fil, une maille en l'air supplémentaire, c'est réglé. Nous avons nos deux yeux. Alors, pour broder, vous savez, si vous êtes habitué maintenant à regarder mes vidéos, que je ne suis pas du tout professionnelle pour broder, mais je vais vous montrer quand même une technique que j'ai trouvée, qui a un rendu à peu près pas mal, ça va. J'ai pas trop foiré mon coup. Alors, j'ai rentré du fil noir sur mon aiguille. Je vais venir m'accrocher ici, sur le rang là qui se trouve ici, le dernier, l'avant-dernier. On rentre l'aiguille, vous laissez une petite marge, vous piquez sur celle d'à côté, la maille d'à côté. Vous allez dans la maille suivante. Vous revenez dans la maille dont vous avez piqué la première fois. On va dans la maille suivante. On repique dans l'avant-dernière. Et ainsi de suite, la suivante. Et on repique sur l'avant-dernière. Comme ceci. Et ensuite, pardon, là où nous sommes, nous restons en face et on va venir faire des petits traits pour imiter un peu les cils. Vous piquez en dessous, vous ressortez par-dessus et vous repiquez en face. Vous allez en dessous à côté, vous piquez par-dessus, en face. Je sais que niveau explication pour la broderie, c'est pas non plus le top, hein. Mais je pense que si vous voyez comment je fais, vous allez comprendre en fait, mieux que si je vous explique. Et on fait encore un dernier petit cil. On pique bien en face. Et voilà, on a brodé un petit œil. Ensuite, c'est simple, vous faites un petit nœud avec les deux fils qui vous restent, histoire de bien sécuriser le tout. Voilà, et on vient couper le supplément. Celui-ci, je le coupe. Celui-ci, on va venir le rentrer. Alors après, c'est au choix. Soit vous cousez, vous êtes courageuse. Soit vous êtes courageuse, vous cousez les yeux sur l'applique. Auquel cas, il va vous falloir faire un rond supplémentaire pour le derrière, pour cacher vos coutures. Ou soit comme moi, vous utilisez le moyen de simplicité et vous collez avec le pistolet à colle. Et on n'en parle plus, c'est réglé. Voyez, vous venez les coller, c'est réglé, on n'en parle plus. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais aussi pour le bec. Alors, je vais couper une longueur avec le fil couleur un peu mandarine. Pareil, je passe mon fil dans l'aiguille, comme ceci. Je laisse une petite marge, toujours. Alors, mes yeux, ils vont être positionnés comme ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer au centre, tout à fait au centre de mon cercle. Voilà, je les enlève parce que ça va me gêner. Je pique et derrière, je laisse une longueur également. Et vous voyez, j'ai fait plusieurs allers-retours un petit peu en décalé, en fait. Sur le rang du dessous, j'ai fait plusieurs fois et j'ai repiqué à chaque fois dans le même centre. J'ai piqué un peu plus à côté. Alors, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même assez mignon. Si,
Comme d'habitude, hein, je vous dis, hein, si vous avez mieux, si vous pouvez faire mieux, faites mieux. Hein. Au contraire. Si vous êtes doué en broderie, etc., vous pouvez faire des choses magnifiques. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je fais vraiment avec les moyens du bord. J'essaie un peu de me faire un peu violence, comme on dit, parce que c'est limite un peu angoissant quand on ne sait pas broder et qu'on crochette pas mal de choses, comme les personnages, les amigurumi, etc. C'est super important de savoir broder en vrai. Donc voilà. Je repique à chaque fois au même endroit. Sauf que je déplace mon aiguille de quelques millimètres à chaque fois pour donner une petite forme de bec. Si je ne suis pas satisfaite, je peux même repasser aux endroits où il y a un petit peu de manque, histoire de combler un petit peu. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué. Ça dépanne. Pour celles qui, comme moi, ne savent pas trop broder. Voilà, je coupe ces fils-là. Celui-ci, il n'a rien à faire ici. Celui-ci, on viendra le cacher. Il ne nous reste plus qu'à coller nos yeux. Alors, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, hein, à droite, au milieu, strabisme, pas strabisme, c'est vous qui décidez. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petites franges ici, en haut. Donc, vous récupérez les restes de vos couleurs. Voilà, on va faire avec ça. On va prendre un petit peu de rose. Là, c'est pour la frange de droite, la frange de gauche. Un petit peu de couleur plus foncée. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mélangé les trois couleurs principales, en fait. Du bec, du corps et des ailes. Vous voyez ? Bon, après, bien sûr, vous prenez vos trois couleurs. Voilà. Et après, eh ben, c'est vous. Ou vous avez envie de faire vos petites houppettes, vous le faites. J'ai pas du tout compté les mailles. Par contre, je vous avoue que là, j'ai fait vraiment au pif. Voilà, la première, on va venir la couper après. Et la deuxième. J'essaie à peu près de voir, hein, que ce soit à peu près symétrique. Mais je vais vous avouer quelque chose, je déteste compter. C'est quelque chose qui me... Je déteste ça. Les maths, les calculs, ça me... Je n'aime pas. Donc voilà, au pif, eh bien regardez... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin d'être... Après, vous coupez votre excédent à la hauteur que vous souhaitez leur donner, en fait. J'en ai oublié une petite partie ici. Voilà. Alors, ce que je fais, je vais coller les yeux, je vais cacher les fils et je reviens. Je reviens vous voir. Alors, vous allez m'en vouloir ou pas. J'ai oublié de vous préciser. Avant de mettre les houppettes et de faire les ailes, vous pouvez faire un tour de mailles serrées. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez faire une accroche, une petite attache, eh ben, on va reprendre, par exemple, un peu de fuchsia, enfin du rose un peu flash là. On va s'accrocher ici, à la pointe. Et on va faire quelques mailles chaînettes en l'air. Peu importe, ça sera à vous de décider, de juger. Allez, encore une. Et on redescend dans la première pour s'accrocher avec une maille coulée. Et puis ensuite, vous connaissez le reste. On n'a plus qu'à venir cacher nos fils sur le derrière
derrière les brides de l'ouvrage. Et voilà. Donc, j'espère que ces petits tutos, ces petits hiboux vous auront plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous souhaite un bon week-end aussi. Salut, salut !